De spectacle, c'était prévu la chute. Hein. Voilà, Pascal Fauchereau debout sur sa chaise. C'est bien. Hein. Des applaudissements! Merci pour eux. Et voilà, bravo Pascal, encore des applaudissements pour Pascal, tranquille sur sa chaise. Et maintenant, Christophe Papon. Christophe Papon. Yeah. Allez, on applaudit.
Et il revient. Stop, tu peux arroser les gens, hein. Tu peux y aller, hein. Allez, un petit arrosage, ça serait sympa. Hé, hey, allez. Allez, Christophe, un petit arrosage.
Que le chien y va tout seul, il est simplement guidé de la berge. Vous voyez, on leur demande toujours de tourner dans le même sens quand ils vont récupérer une victime. Vous avez vu que la victime a un gant, c'est pas pour faire chic, mais c'est simplement parce que le chien exerce vraiment une pression, il sait que vous êtes inanimé et que vous ne pouvez pas vous accrocher à lui, donc c'est lui qui vous ramène et il a une pression de mâchoire imposante, si bien que si vous n'êtes pas mort, bah vous verriez dans quelques instants, il devrait sourire ou pleurer, ça dépend. Autant il peut mettre de la délicatesse dans des exercices qu'il fait, mais là, il sait que la personne est en danger, donc il serre, il s'occupe pas de savoir s'il lui broie la main ou pas.